Et sur la commune de Nouvron-Vingré précisément, vraiment à la sortie du village de Morsa. J'ai eu 26 petits et voilà, sur les 26, j'ai gardé donc 9 chevrettes pour agrandir le troupeau. Elles sont arrivées le 14 décembre à la chèvrerie certifiée pleine et donc au printemps 2019, pardon, elles ont mis bas. Donc démarrage voilà, du lait et des fromages, première saison. À partir de cet automne, en fait, il faut qu'elle fasse un poids minimal à 7 mois pour être à la reproduction. Donc là, je vous présente Prune, la première, la toute première née sur l'exploitation. Donc là, on peut voir les fromages en train d'égoutter. Je les ai moulés bombés ce matin, donc vous voyez comment ça s'est déjà égoutté dans les moules. Ce sont les fromages qui ont été moulés hier matin, retournés avec un premier salage. Enfin, 2 jours et demi à 3 jours de fabrication suffisent pour vendre le fromage frais. Quand c'est l'affiné, les crottins, c'est au total minimum 15 jours de fabrication. Toute la gamme de fromage frais, donc tout à gauche, c'est le nature de base qu'on aromatise à tout ce qu'on veut. Donc j'en fais des sucrés à la confiture ou au miel. Et après, j'en fais des salés, donc avec des herbes aromatiques, échalotes, ciboulettes, etc. Et le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Vous êtes une femme heureuse? Oui. Oui.